Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur de la cité de l'huître de Marennes. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous emmènerons à la découverte de l'élevage des huîtres, depuis leur production à leur vente aux consommateurs. Par le biais d'expositions, d'activités et de paysages d'une beauté naturelle à couper le souffle, découvrez la cité de l'huître de Marennes-Oléron dont la spécialité fait la réputation de son département, la Charente-Maritime et notre Hexagone. Alors bon visionnage à toutes et à tous et bienvenue à la cité de l'huître de Marennes-Oléron. À travers notre balade d'aujourd'hui, nous pourrons notamment vous faire découvrir les carrelets, ces petites cabanes de pêche faisant partie intégrante du patrimoine littoral charentais. Les parcs ostréicoles, où sont directement cultivées les huîtres, ainsi que l'initiation à l'ouverture de ces dernières, avant de les déguster par la suite. Un programme riche et varié pour votre découverte de la cité de l'huître. Qu'est-ce qu'il y a de beau à pêcher? Oh, c'est vide. C'est pas gagné, mon Dédé. Y'a rien. Oh, c'est vide de chez vide. Bon, y'a rien. Non, mais c'est bien comme ça, mais la pêche est mauvaise quand même. Hein. On est super bien là au cœur du marécage comme ça de Marennes-Oléron. On est vraiment très détendu, très posé. En plus avec ce grand soleil comme vous pouvez l'observer. Franchement, on est super bien aujourd'hui. Je dirais l'étoile de mer. Ouais. Voici l'anatomie de l'huître. En partie 1, il y a le manteau, ensuite les glandes digestives et l'estomac, puis viennent les branchies, le muscle adducteur et les palpes-labiaux, et enfin la bouche et le cœur. Alors voici la progression sur un an. Vous voyez, au tout début, c'est vraiment tout petit. C'est minuscule, même si j'ose dire. Et puis ça grandit au fur et à mesure. Vous voyez, au bout d'un an, la taille qu'une huître a, c'est vraiment tout petit encore. Alors imaginez le temps qu'il faut, rien que pour faire une huître de taille 3 ou 4, c'est déjà énorme. Alors.
Place maintenant à l'espace dégustation des huîtres. On vous propose différentes recettes pour préparer les huîtres. En voici quelques-unes. Et maintenant, direction la cabane des clercs afin d'ouvrir ainsi que déguster de délicieuses huîtres. C'est intéressant,
comme ça on sait d'où elles viennent et où elles sont fabriquées. Entre le, où elles sont fabriquées dans les marais et dans les parcs. Oh, il s'en va avec la boîte. Et voilà les bons couteaux. Vous avez... On va pousser le couteau à l'intérieur de l'huître. À suivre. Et là, on va chercher, je vous ai dit que le muscle était de ce côté. Si vous ouvrez les huîtres une heure ou deux à l'avance, elle va refaire de l'eau. Cette eau est bien meilleure. Voilà une ancienne ostéicultrice qui arrive. Non, pas ostéicultrice. Ah bah si, t'as travaillé dans les huîtres, alors si. Femme de cabane. Voilà, elle est belle comme ça. Non. Bien sûr. Oh là là, les cochons. Regarde, par le cul, alors vas-y. Et on y va. Trop bon. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la visite de la cité de l'huître de Marraine. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les bonnes vieilles habitudes, likez, commentez et partagez la vidéo. Et enfin, abonnez-vous si ce n'est pas fait. C'était le petit Rochelet, à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao !